Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Para aqueles que estão recém entrando nesta conferência, não participaram ontem à noite, mas estão participando pela primeira vez hoje à noite, queremos dar as boas-vindas a vocês. Todos são bem-vindos à Conferência Global de Setembro 2020. Nós estamos transmitindo ao vivo do auditório da igreja em São Paulo, no bairro Butantã, em São Paulo. Estamos nesse lugar maravilhoso, toda a equipe aqui está trabalhando, está servindo, transmitindo as imagens e o som. Esperamos que todos vocês, em suas casas, possam desfrutar a palavra esta noite e sentir de perto a presença de Deus. Que Deus possa falar a cada coração, consolar cada coração e encorajar a cada um para que nós possamos prosseguir. Nós queremos lembrar os irmãos da palavra de ontem à noite. Esta conferência tem como tema, Deus nos chama para o seu reino e glória. E esta conferência se baseia nas duas epístolas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. E explicamos, gastamos bastante tempo para contextualizar um pouco para os irmãos esta epístola, onde essa epístola foi escrita, para quem foi escrita, a situação dos tessalonicenses naquela época. Então, a igreja em Tessalônica era uma igreja relativamente nova, na verdade muito nova, e Paulo permaneceu lá poucos meses, foi mais do que 3 semanas, mas poucos meses, o tempo suficiente para fortalecer uma igreja. Ele trabalhou lá e também foi suprido pela igreja em Filipos, 2 vezes ao menos. Então, nós apresentamos vários versículos comprovando que o tempo de estadia de Paulo em Tessalônica durou pelo menos alguns meses para ele poder trabalhar. E ele trabalhou, ele teve um emprego, trabalhou com as próprias mãos para poder se sustentar, para não ser um peso para os tessalonicenses. Então, nesse tempo, ele laborou muito. Ele usou o termo nesta epístola, que ele trabalhou servindo os tessalonicenses, e ele apresentou palavras de encorajamento. O tempo que ele ficou não foi suficiente para ele lançar todos os fundamentos da verdade, então houve alguma deficiência, e os tessalonicenses ficaram bastante preocupados por causa da perseguição que houve depois que Paulo saiu de lá. Houve mortes, houve martírio, e então eles ficaram bastante preocupados que os santos, os irmãos que dormiram no Senhor, que morreram no Senhor, eles não tinham muita clareza das verdades sobre isso, e eles achavam que esses irmãos não iriam participar mais do arrebatamento. Então Paulo teve de ajustar, teve de orientá-los e aperfeiçoá-los nessa questão e esclarecê-los, consolando os seus corações e encorajando-os. Na segunda epístola, ele continua com exortações, com ajustes, correções, equilibrando os tessalonicenses até no seu viver diário. Então, Paulo apresenta nessa epístola um tripé maravilhoso, que é a estrutura da nossa vida cristã. O que ele apresenta nessa epístola de 1 Tessalonicenses é uma vida cristã normal. Nós costumamos, queridos irmãos, especialmente quando falamos da vida cristã, imediatamente nós associamos a vida cristã a milagres, a coisas mirabolantes. Não, irmãos. Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã normal. Milagres vão acontecer? Vão acontecer. Vão acontecer. Mas os milagres vêm através de uma vida normal que nós temos diante do Senhor. Então, Paulo apresentou para os tessalonicenses os itens para que nós possamos ter uma vida cristã normal, uma vida cristã santa, com vistas a quê? Visando a quê? Visando uma vida da igreja normal. Esse era o intuito de Paulo. Então, ele apresentou esses itens e ele apresentou daí a estrutura da vida cristã e a estrutura da vida da igreja, que são 3 itens. É fé, que mais? A obra de fé, depois o labor de amor e a perseverança da esperança. Ou seja, é fé, amor e esperança. A fé, nós vimos, está relacionada à obra, é a natureza e a força que impulsiona a nossa obra diante do Senhor. O amor é o que nos motiva, o amor é o que nos motiva, é a característica do nosso labor. Aqui não é só trabalho, não, é labor. Labor é algo que exige todo o nosso ser, exige engajamento, foco e comprometimento. É isso que Deus quer de nós. Então, esse amor é o que nos motiva. E terceiro, é a esperança. L'espérance, c'est lié à la persévérance. Pourquoi nous persévérons jusqu'à la fin? C'est parce que nous avons l'espérance. Et l'espérance ici, c'est un rapport à l'avènement du Seigneur. Donc, prenant comme illustration une construction, la fondation, c'est la foi, et le processus, c'est l'amour, et l'espérance, c'est la conclusion. Donc, la foi est un rapport à Dieu, l'amour en rapport aux frères, aux saints, et l'espérance en rapport à la venue du Seigneur. Donc, Paul a présenté tous ces éléments à cette jeune Église. En fait, Paul a écrit les deux épîtres aux Thessaloniciens peu de temps après qu'il est parti de là. Hier, nous avons montré tout le trajet assez compliqué. Mon Paul est parti de là, et les coopérateurs qui étaient avec lui, Silas et Timothée. Et dans la parole d'hier, nous avons bien présenté, bien au milieu, la parole, c'est la puissance de l'Évangile. C'était le titre du message 1, puissance de l'Évangile. L'Évangile ne consiste pas seulement à une prédication pour convertir des personnes. L'Évangile a une puissance. Et nous qui sommes dans l'Église aujourd'hui, nous devons savoir que cet Évangile n'est pas destiné uniquement aux incrédules ou aux nouvelles personnes, mais il doit continuer à opérer dans nos vies. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu, tant pour ceux qui croient que pour ceux qui ne croient pas encore. L'Évangile a la puissance de transformer les vies, et vous et moi, nous devons croire, bien-aimés frères, nous devons croire que l'Évangile a la puissance de sauver. L'Évangile peut vous sauver, et moi aussi. Donc, la plupart du temps, à cause de la situation actuelle, nous abandonnons de tourner notre regard vers le Seigneur et nous regardons les situations. Nous abandonnons de marcher par la foi et nous marchons par ce que nous voyons. Et peu à peu, notre amour commence à se refroidir et nous perdons l'espérance. Donc, nous devons retourner à l'époque où nous sommes convertis. L'Évangile ne consiste pas seulement à une prédication aux personnes de l'extérieur. Il y a l'Évangile initial du début. Nous pensons que l'Évangile, c'est juste pour les voisins, pour nos amis. Mais ce que Dieu nous dit aujourd'hui, à travers cette première épître aux Thessaloniciens, c'est que l'Évangile, cette nuit, c'est pour vous et c'est pour moi. Je dois croire en l'Évangile. Je dois croire que l'Évangile peut me sauver et va me sauver. Et cet Évangile, qui non seulement m'a sauvé de la perdition éternelle, c'est cet Évangile qui m'a connecté à Dieu. Ah, Paul commence à parler dans l'Église des Thessaloniciens en Dieu le Père. Immédiatement, se basant sur la vision que Dieu nous a montrée récemment, sur les révélations que Dieu nous a données durant ces derniers mois, nous voyons que l'Église des Thessaloniciens est une Église connectée à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est de vous connecter cette nuit à travers l'Évangile. En fait, bien-aimés frères, vous savez ce que nous faisons ici? Vous savez ce que je fais ici ce soir? Je suis en train de prêcher l'Évangile. Je prêche l'Évangile à moi et à vous. Je crois en l'Évangile. Nous tous, lorsque nous prêchons quelque chose, nous devons croire en ce que nous prêchons. Nous devons croire en ce que nous disons, croire en ce que Dieu nous a donné. Donc, nous devons croire que l'Évangile transforme les vies. C'est ce qui s'est passé. Et immédiatement, Paul, dans sa présentation, dans son introduction de la parole aux Thessaloniciens, il a montré que l'Évangile, au verset 5 de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, il a montré que l'Évangile, n'est pas parvenu aux Thessaloniciens seulement par les paroles, mais basée sur la puissance de l'Esprit Saint. Basée sur quoi? Basée sur la conduite de Paul. L'évangile de Paul n'était pas seulement des paroles, c'est pour cela qu'il utilise l'expression « notre évangile », ce n'est pas des paroles. L'évangile de Paul était quelque chose de visible dans sa vie, dans la manière dont il se comportait, dans la manière dont il parlait, dans la manière dont il traitait les personnes. Et c'est cela qui a attiré les Thessaloniciens au point que les Thessaloniciens sont devenus des imitateurs de Paul. Donc, Paul a dit au verset 5, au verset 6, que les Thessaloniciens sont devenus des imitateurs de Paul. Et plus tard, et vous-même, eux sont devenus des modèles afin que les autres églises les imitent plus tard. C'est ce cycle que nous voulons transmettre. Nous recevons la vie du Seigneur, nous avons une transformation notable dans notre vie, et les personnes observent cela et désirent le Dieu que nous avons. Hier, nous n'avons pas pu conclure avec les deux versets, et c'est ce que nous allons faire ce soir, versets 9 et 10. Donc, je vais vous les lire. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Qui sont ceux-là même? Ils sont ceux de Macédoine et d'Acaïe. Au verset 8, Paul dit que de vous, les Thessaloniciens, la parole du Seigneur s'est retentie non seulement en Macédoine et en Acaïe, mais en tout lieu, votre foi en Dieu s'est divulguée. C'est pour qu'on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il y a eu un retentissement puissant du témoignage des Thessaloniciens, une église jeune de moi, mais qui visiblement est transformée. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation additionnelle qu'ils ont eue. Car on raconte à notre sujet qu'à quel endroit de vous? Donc eux-mêmes, par rapport à vous, ont proclamé la répercussion que notre présence parmi vous a eu lieu et que vous avez abandonné les idoles, vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et véritable. Et pour attendre des cieux son Fils, il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, bien-aimés frères, la transformation a été si grande chez les Thessaloniciens que le retentissement a été total. Il y a eu un retentissement en tout lieu. C'était quoi ce retentissement? Et Paul répète ici, il parle de retentissement de la venue des apôtres parmi eux. Une fois de plus, Paul ne met pas l'accent sur les miracles, sur les choses externes, apparentes, les choses sur lesquelles les hommes en général, les chrétiens en général aujourd'hui, prêtent une grande attention, les choses visibles. C'est ce que les gens veulent. Et peu d'attention est accordée au témoignage de vie. Paul dit, notre présence parmi vous, a causé cette transformation, toute cette transformation. Donc, notre témoignage est très important, mettant en exergue la puissance de l'Évangile dans la transformation de la vie. Alors, il s'est passé trois faits avec les Thessaloniciens. Premier fait, ils ont abandonné les idoles pour se convertir à Dieu. Ici, le mot « convertir » dans la version originale, en fait, dans le sens original de la parole, même en portugais, signifie « se retourner », se retourner. Par exemple, je me tourne vers l'écran, maintenant je me convertis vers vous. C'est-à-dire que j'étais tourné vers l'écran, maintenant je me retourne vers vous. Même dans la circulation, il y a cette expression, la conversion à droite, c'est le tournant à droite. Conversion en U, c'est demi-tour. Il existe cette expression. Convertir, ça veut dire se retourner. Donc les Thessaloniciens étaient des idoles. À Macédoine, il y avait beaucoup d'idolâtrie, une idolâtrie visible dans la ville. Donc, ils ont abandonné les idoles et se sont retournés vers Dieu. Waouh, quelle transformation! Bien-aimés frères, je vais vous dire une chose. Une chose est d'abandonner les péchés et de se retourner vers Dieu. Et une autre en est d'abandonner les idoles et de se retourner vers Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, d'une certaine manière, ont abandonné les péchés grossiers pour se retourner vers Dieu. Mais maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'ils ont abandonné les idoles? Donc, je voudrais ici, bien-aimés frères, parler un tout petit peu des idoles. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Peut-être que dans le futur, lorsque j'aurai plus de temps, je vais m'étendre plus dessus, sur ce sujet de l'idolâtrie. Mais frère Esdras, on n'a pas des idoles. Nous n'avons pas des idoles. Nous sommes ici dans ce pays occidental, moderne, dans le Brésil. On n'a pas d'idoles. Alors, je vais vous expliquer ceci, frère. Parlant des athées, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, on va parler un tout petit peu de la nature humaine. Est-ce qu'il existe des athées? Les athées sont ceux qui professent que Dieu n'existe pas. Le Dieu en qui nous croyons, ils disent que ce Dieu-là n'existe pas. Mais il n'existe pas un véritable athée. Même les athées qui disent que Dieu n'existe pas, il a son propre Dieu. Ils adorent leur Dieu. Ce n'est pas notre Dieu vivant et véritable, mais c'est leur Dieu. Alors, je voudrais vous lire Ecclésiaste. J'aime beaucoup ce verset. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Cela est en rapport à 1 Thessaloniciens 5, 23. Je vais lire aussi, et après je vais expliquer les deux versets ensemble. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit ceci, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce verset est révolutionnaire. Ce verset est caché pour la plus grande majorité des chrétiens. Nous avons eu le privilège dans la vie d'Église que ce verset nous a été ouvert. Ce verset montre la structure de l'homme. De quoi l'homme est-il composé? Il est composé de trois parties, esprit, âme et corps. C'est comme trois cercles concentriques. Trois cercles concentriques. Le cercle extérieur représente notre corps, le corps physique matériel, qui est divisé en trois parties, la tête, le tronc et les membres. Nous avons déjà appris cela à l'école. Après, dans le cercle intermédiaire, c'est notre âme, notre partie psychologique, c'est notre psyché, composée aussi de trois parties, notre partie intellectuelle qui est notre pensée, la partie émotionnelle qui est l'émotion et notre partie qui nous permet de prendre des décisions qui est la volonté. Et dans le cercle intérieur, c'est l'esprit de l'homme. La grande majorité des personnes ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'ils ont un esprit. L'homme sait qu'il a un physique, qu'il a un corps. Et lorsque ce corps devient malade, il consulte le médecin. Durant la pandémie, beaucoup de médecins sont consultés pour les ordonnances, les traitements, ainsi de suite. Mais la maladie n'est pas toujours physique tout le temps. Au cours de la pandémie, à cause de l'isolement social, il y a des problèmes émotionnels. Donc, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme recherche un psychologue, un psychiatre pour résoudre les problèmes émotionnels, les problèmes de la pensée de la personne. L'être humain reconnaît cela, l'existence de son âme, la partie psychologique du psyché et de la partie physique de son corps. Mais la grande majorité ne sait pas qu'à l'intérieur de lui, il y a un esprit. Et cet esprit humain la partie qui est cachée, là au centre de l'homme. C'est ce que nous lisons dans Ecclésiaste 3:11. C'est l'éternité que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. C'est l'éternité. On ne peut pas mesurer l'éternité. L'éternité, c'est comme un trou noir. Il n'y a pas de fin. Tout ce que vous y jetez disparaît. Donc, l'être humain, depuis l'existence, le temps de l'existence de l'être humain, il a essayé de remplir ce vide par matériel et le plaisir de son âme, de sa pensée, de son émotion, les biens matériels, l'argent, les maisons, les voitures, les yachts. Et par rapport au plaisir, ce sont les voyages, les diversions, les amusements. Mais nous savons que peu importe la manière dont l'homme essaie de remplir ce vide, il n'est pas bien pas rempli, car l'éternité est dans le cœur de l'homme. Cette éternité, qui est l'esprit humain, ne peut être remplie que par une personne qui est Dieu lui-même. Seul Dieu peut remplir ce vide. Donc, une personne qui se dit athée, ne croit pas au Dieu vivant et véritable auquel nous croyons, ils inventent leur Dieu pour remplir leur vide. Demandez à quelqu'un qui est athée. Si vous observez sa vie, vous allez voir que cette personne adore certaines choses. Donc, bien-aimés frères, je suis ici à São Paulo, logé à São Paulo, bien traité, bonne affection, bonne alimentation. Donc, l'estomac humain est fait pour recevoir la nourriture. Tous ont un estomac et tous veulent manger. Quand on a faim, on veut manger. Maintenant aussi, bien-aimés frères, spirituellement parlant, utilisant cette illustration, nous avons un estomac spirituel. L'homme a une nécessité d'adorer Dieu. C'est pour cela que même les peuples indigènes, qui sont même dans la forêt, qui n'ont pas écouté l'Évangile, ils ont là une statue, un totem, quelque chose qu'ils adorent. Même qu'ils ne font pas de statues, les anciens Égyptiens avaient des images, mais ils adoraient aussi le dieu soleil, la lune. Ils voulaient adorer quelque chose pour remplir le vide qu'il y avait en eux. Donc, l'estomac humain fait en sorte que l'homme doit manger. Maintenant, manger bien ou non, ça c'est une autre question. S'il mange de la bonne nourriture, beaucoup de salades, des verdures, la chair blanche, etc., etc., c'est une chose. Mais s'il aime manger les hamburgers avec les patates frites, et après 2 hamburgers et des pommes frites, avec une taille X, et il prend tout ce qui est les frites sucrées, churros, avec de l'huile et tout cela, ça remplit son estomac. Mais la manière dont il mange dépend de lui. C'est la même chose avec l'estomac spirituel. Tout homme adore Dieu. Si c'est le vrai et véritable Dieu ou le faux Dieu, là, c'est une autre question. Mais il n'existe pas d'athée. Ce que nous voulons dire, bien-aimés frères, c'est que le plus souvent, nous confondons l'idolâtrie visible. Lorsque nous lisons ce verset, abandonnant les idoles, se convertant à Dieu, c'est comme si on minimise cela. Ah, ils ont abandonné les idolâtries, ils sont convertis en Dieu et tout cela. Bien, mes frères, je crois que Dieu veut vous dire quelque chose à vous et à moi ce soir. Vous pensez à la Chine, ah, c'est rempli d'idoles. Vous pensez à l'Inde, ah, un pays rempli d'idoles. Maintenant, pensons à l'Europe. Ah, l'Europe, c'est un continent moderne, il n'y a pas d'idoles là-bas. Les États-Unis, ah, il n'y a pas d'idoles. C'est vrai qu'il n'y a pas ces idoles visibles, mais l'idolâtrie a 2 catégories. Il existe l'idolâtrie ostensible et l'idolâtrie occulte. Quelle est la pire? Vous allez dans les pays idolâtres ou dans les pays où il y a beaucoup d'images, des pays le pays où, indien, où il y a des pays où il y a des peuples avec des images mélangées, comme dans le catholicisme. Nous aimons tous les frères, nous aimons les catholiques, mais nous devons dire que dans le catholicisme, il existe beaucoup d'images. Il y a des saints par-ci, des saints par-là, beaucoup d'images. Car c'est difficile d'adorer un Dieu qu'on ne voit pas. Alors, pour faciliter, ils mettent un Dieu qu'ils voient. Donc, l'idolâtrie ostensible est facile d'être détectée. Ah, je ne suis pas idolâtre, dans ma maison, il n'y a rien de cela, il n'y a pas d'idole. Maintenant, je vous pose la question suivante. Et l'idolâtrie occulte, qu'en est-il? C'est quoi un idole? Un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est quelque chose de très subtil, bien-aimés frères. C'est très subtil. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer dans le Seigneur? Nous disons que nous devons nous enrôler dans l'armée du Seigneur pour avancer, engager, nous compromettre, être focalisés. Accélérer le retour du Seigneur. Je veux dire quelque chose. Cette idolâtrie ici, qui est dans la Bible, ce n'est pas seulement une idolâtrie ostensible. L'idolâtrie occulte est plus subtile. Il paraît que dans le monde moderne rempli de technologies, nous n'avons pas d'idolâtrie. Alors, je vais vous dire rapidement, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus. Nous avons aujourd'hui l'idolâtrie de certaines personnes. Aujourd'hui, tous les jeunes et beaucoup de personnes ont des idoles, qui sont des célébrités dans le monde de la musique, du cinéma, du sport, de la politique, même dans l'Église, des idoles. Dans le monde de l'amusement, des arts et tout cela, les gens font des posters. Nous voyons dans la maison de plusieurs personnes, même dans la maison des frères, des posters, des chanteurs de rock, des acteurs de cinéma, actrices de cinéma. Ça, c'est une idolâtrie. Ce n'est pas l'image d'un Dieu, mais c'est une idolâtrie occulte. Et c'est là, dans notre cœur, ça existe dans le cœur des personnes. Cette adoration, entre guillemets, cette idolâtrie par rapport à ces personnes. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, l'idolâtrie a un trépied. Nous avons parlé du trépied dans l'Église à Thessalonique, la structure de la vie chrétienne, de la vie d'Église, qui est la foi, l'amour et l'espérance. Mais dans l'idolâtrie, il y a aussi un trépied. L'idolâtrie occulte, c'est la technologie, l'argent, en rapport à la puissance et au plaisir. Les personnes aujourd'hui, la technologie est liée à la foi. Les gens croient, ils se confient à leur technologie, leur ordinateur, système financier, système de divertissement. Et l'amour, l'amour est en rapport à l'argent. Dans l'amour, l'argent est la racine de tous les problèmes et l'espérance. Nous espérons la venue du Seigneur, mais celui qui est dans le monde de l'idolâtrie a l'espérance d'avoir plus de plaisir, plus se divertir, plus profiter, plus. Ce sont les promesses. Aujourd'hui, c'est Netflix, ceci ou cela. Ne perdez pas l'espérance. Vous êtes dans l'isolement social à la maison, il y a Netflix, il y a la promotion. Plus d'options de divertissement sont offertes. C'est ça l'espérance de l'homme. Gagner plus d'argent pour avoir plus de divertissement, ainsi de suite. Donc, bien-aimés frères, certains ont aujourd'hui comme idole leur carrière qui vient en premier lieu, l'éducation en premier lieu, les divertissements, les plaisirs. Et je vous pose cette question, frère. Par rapport à la technologie, l'argent, frère, et les plaisirs forment. Ils composent ce que la Bible appelle la tour de Babel. Aujourd'hui, c'est la grande Babylone. Et aujourd'hui, Dieu commence déjà à détruire cette grande Babylone. La tour de Babel est en train de tomber. Frères, nous ne devons pas mettre notre espérance dans ces choses-là. Cette parole, abandonnant les idoles pour Nous retourner vers Dieu, ce n'est pas une parole seulement destinée aux Thessaloniciens, aux personnes jeunes. Je pense que nous tous, nous devons aller devant le Seigneur et lui poser la question suivante. Seigneur, est-ce que j'ai une idole? Je vais juste montrer un élément dans le monde moderne qui est le véritable idole. Ce qui est le véritable idole, c'est notre portable. C'est un véritable idole. Dans la conférence à Estância, nous recevons les frères. Les frères qui viennent nous parler. Frère Esdras, tu peux donner une annonce là devant. J'ai perdu mon portable, c'est un portable argenté, Samsung. Est-ce que tu peux annoncer cela, s'il te plaît? Personne est venu vers moi et dit, Esdras, s'il te plaît, j'ai perdu ma Bible. Qui est couleur vin. Demande cela. Mais personne n'a jamais fait cela. Lorsqu'on se réveille, quelle est la première des choses que nous faisons, que les gens font aujourd'hui? Est-ce que c'est prendre la Bible, s'agenouiller pour prier? La première des choses que les gens font, c'est de prendre le portable pour voir le WhatsApp de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu m'a envoyé un WhatsApp la nuit? Est-ce que c'est ça que les gens cherchent? Non. Ils veulent voir les messages qu'ils ont reçus. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est un idole. Des jeunes qui sont totalement usurpés par les jeux vidéo et qui prennent la place de Dieu. Je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de prier, de sortir pour prêcher l'Évangile, de prier pour les personnes, mais j'ai le temps de passer des heures et des heures devant mon portable. C'est quoi cela, frère? C'est de l'idolâtrie. Il y a une idolâtrie subtile, une idolâtrie occulte que nous ne considérons pas comme idolâtrie, mais qui prend la place de Dieu. Alors, bien-aimés frères, je vais fermer cette partie sur l'idolâtrie pour montrer que nous tous, ce que les Thessaloniciens ont fait, c'était quelque chose de puissant. Ils ont abandonné les idoles pour se tourner vers le véritable Dieu. Deuxièmement, abandonnant les idoles, se convertir à Dieu pour servir le Dieu vivant et véritable. Ils ont abandonné les idoles pour se retourner vers Dieu, et cela est en rapport à la foi. Maintenant, servir le Dieu vivant, véritable et vivant, c'est en rapport à l'amour. C'est l'amour qui nous contraint, c'est l'amour que Dieu a mis dans notre cœur qui nous amène à servir notre Dieu vivant et véritable. Je vous pose la question suivante, frère. Quel Dieu vous avez? Le véritable Dieu, oui, servir le véritable Dieu n'est pas si facile, n'est pas si difficile. Nous savons que notre Dieu est véritable. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'or, argent, pierre, qui n'écoute pas, qui ne parle pas, qui ne voit pas. Notre Dieu nous écoute, notre Dieu parle. Il nous voit. Mais maintenant, la question est la suivante. Est-ce que votre Dieu est vivant? Alors, c'est alors que c'est en rapport à notre expérience avec Dieu quotidiennement. Avoir un Dieu vivant, c'est un Dieu qui est connecté avec vous, ou alors vous êtes connecté à lui, il contrôle votre vie. Il vous donne une direction à votre vie, il s'implique dans vos affaires. Il vous corrige et même il vous discipline. Donc, tout ce que je pense, mes actions, mes pensées sont sous le contrôle de Dieu. Ce Dieu-là est un Dieu vivant. Mon implication avec Dieu, ma connexion avec Dieu laisse un témoignage vivant. Quel genre de Dieu, les membres de votre famille, vos collègues, vos amis, quelle impression nous causons chez les personnes? Quel genre de Dieu pense-t-il que vous avez? Une fois, j'ai voyagé avec un frère, avec plusieurs années dans la vie d'église, un frère du leadership. Nous sommes allés dans un autre pays et ce frère est devenu malade, est tombé malade. Nous étions dans la voiture attendant notre frère pour sortir et ce frère a commencé à entrer en panique. Je dois retourner au Brésil, je dois retourner au Brésil, je suis malade, je vais mourir ici. Immédiatement, j'ai repris ce frère. J'ai dit, frère, il paraît que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Quel genre d'impression les gens ont de ton Dieu? Ton Dieu est-il un Dieu vivant? Est-ce que vous vous plaignez beaucoup? Nous nous plaignons de tout, de tout. Nos amis, les membres de notre famille écoutent de nos bouches les louanges à Dieu, des remerciements. Au milieu de toute la tribulation, nous glorifions Dieu. Paul, parce qu'il était emprisonné à Philippe avec Silas, ils ont donné le témoignage de ce que Dieu est vivant et véritable. Si bien que toute la prison s'est convertie. Quel genre de Dieu vous avez? Votre Dieu est-il vivant? Mon Dieu est-il vivant? La réponse est celle-ci. Comment est votre vie quotidienne? Notre vie quotidienne affecte-t-elle notre famille, les amis, les collègues? C'est alors qu'ils vont reconnaître que votre Dieu est vivant. Ils voient les miracles dans nos vies, même qu'il n'y ait pas de miracles. Comme les compagnons de Daniel ont dit, nous sommes sûrs que notre Dieu va nous délivrer, mais sachez une chose, ô ré Nabucodonosor, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous plier devant ton image. C'est ça le Dieu vivant et véritable, c'est le témoignage dont les Thessaloniciens, premièrement, à travers la foi, ont abandonné les idoles pour se convertir à Dieu. Et deuxièmement, par amour, ils ont servi le Dieu vivant et véritable. Et troisièmement, verset 10, et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Cela, c'est l'espérance. Attendre du ciel ses enfants. Qu'est-ce que nous attendons, vous et moi, aujourd'hui, bien-aimés? Je ne dis pas, bien-aimés frères et sœurs, que nous ne devons pas faire des plans pour notre vie ici sur Terre. Oui, nous devons faire des plans pour notre famille, pour nos enfants, plans de travail et tout cela. Mais en fin de compte, quelle est notre espérance? Qu'est-ce que nous attendons? Que l'économie s'améliore? Que beaucoup d'argent vienne, attendant la situation politique, socio-économique, que cela change, socio-politique, ou alors nous attendons des cieux, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons? Bien-aimés frères, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que nous devons être focalisés en Christ. Christ est notre seul destin, il est notre seul futur, notre seul avenir. Je ne mets pas trop d'espérance dans le monde d'aujourd'hui, spécialement durant ces temps de la fin. Le chaos va s'installer chaque fois plus. Le monde chemine vers le chaos universel. Nous sommes sur le chemin opposé. Nous sommes sous l'autorité de Christ. Donc, bien-aimés frères, loué soit le Seigneur. Ce Christ que nous attendons est celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est ce Jésus qui va nous sauver de la colère à venir, la colère de la perdition éternelle. Donc, ici, bien-aimés frères, ce Jésus que nous attendons, c'est celui qui s'est incarné, il a vécu une vie humaine, il a souffert pour nous, il est allé à la croix, il est mort, il a été enseveli, au troisième jour, il est ressuscité. C'est celui qui est monté au ciel et aujourd'hui, il est l'Esprit qui donne la vie et qu'il est en nous. C'est lui que nous attendons. Loué soit le Seigneur. Bon, maintenant, nous allons attaquer le chapitre 2, qui est la parole d'aujourd'hui. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Dieu nous appelle pour son royaume et gloire ». C'est le même titre du thème. Le thème général de cette conférence, c'est « Dieu nous appelle pour son royaume et sa gloire ». Le titre du message 2, ce soir, c'est aussi « Dieu nous appelle pour son royaume et sa gloire ». On va lire les versets. Premièrement, le verset 1. 1 Thessaloniciens 2, 1. « Vous savez, vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Le mot « séjour », c'est l'entrée, le même que nous avons lu le chapitre 1, de être parmi vous, de l'arrivée parmi vous. Quel effet a eu notre séjour parmi vous? Ici, Paul dit, vous frères, vous savez personnellement que notre entrée, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Littéralement, c'est-à-dire que ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Il a produit des fruits. Il y a eu une répercussion. Donc, on va lire de nouveau 1 Thessaloniciens 1,5. « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Donc, quel genre de personnes nous étions parmi vous par amour pour vous. Donc, Paul met l'accent sur le fait que ce ne sont pas les miracles et les choses externes de la prédication de l'Évangile, mais leur témoignage, leur vécu, leur procédure, dans leur conduite. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Notre témoignage, la manière dont nous avons pris soin de vous, vous délivrant des idoles, et vous vous êtes retournés vers le véritable Dieu. Et maintenant, vous servez le Dieu vivant et véritable, et vous attendez la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui soit le Seigneur. Donc, cela montre le rôle important de la conduite des apôtres dans l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement les paroles. Nous devons prêcher la parole. L'Évangile est avant tout notre témoignage. Quel témoignage nous avons parmi nos voisins? Est-ce que nous crions sur les voisins? Est-ce que nous avons une inimitié avec les voisins, comme le chien qui aboie? Est-ce que nous crions wow! Comme un chien qui aboie durant la nuit? Quelle est notre conduite? Je suis même habitué à donner un exemple assez radical. Lorsque vous vous disputez entre vous, les couples, et les voisins savent déjà exact, ils se disputent encore. Et après, ils écoutent des plats qui se brisent, des verres sur le sol, ainsi de suite. Et de temps en temps, un balai vole à travers la fenêtre, n'est-ce pas? Et après, à l'église, les frères ont dit, ah, il faut prêcher l'Évangile. Maintenant, on dit, on va pratiquer, puis-je prier pour vous chez nos voisins. Et on va chez le voisin, on cogne à la porte, « Oh, bien-aimé voisin, je suis Jean, ici c'est Marie, nous sommes vos voisins. » Ah non, non, on vous connaît, on sait déjà qui vous êtes. Nous sommes venus pour vous prier, pour vous dire que la vie avec Jésus est merveilleuse. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Cette vie merveilleuse, là, nous n'en voulons pas. Ça veut dire que votre présence dans ce quartier n'a pas produit de témoignage. Donc, l'Évangile ne consiste pas seulement à prier pour les personnes ou de parler de Jésus ou prêcher tout simplement la parole, mais c'est notre témoignage. Verset 2. Mais après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nos primes de l'assurance en notre Dieu, comme ils ont été faits prisonniers et battus, ainsi de suite. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Je voudrais mettre l'accent sur ce mot final, combat. Vous voulez prêcher l'Évangile? Frères, donc préparez-vous. il y aura beaucoup de combats. L'ennemi ne va pas nous laisser prêcher l'Évangile d'une manière facile. Il va monter une grande opposition. C'est pour cela que nous devons former une armée. L'Évangile n'est pas une question personnelle, c'est une question collective. C'est l'Église qui prêche l'Évangile. Dieu suscite son armée aujourd'hui. En prêchant l'Évangile, il y aura toujours de la lutte. C'est pour cela que nous devons être avec les frères. Être avec les frères, formant une armée et persévérer. Allons voir Philippiens 1, 27 à 30. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends le dire de vous que vous demeurez ferme. Voyez donc, bien mes frères, dans un même esprit, combattant d'une même âme, non seulement un seul esprit. Ça peut être difficile, mais le plus difficile, c'est être un d'une même âme. C'est cela que Dieu travaille aujourd'hui en nous. À travers la pandémie, l'isolement social, Dieu, aujourd'hui, est en train de nous exposer. Il est en train de nous amener à nous réconcilier avec les frères, afin que véritablement que nous soyons un en esprit et un en âme, avec d'une même âme, luttant ensemble pour la foi de l'Évangile, la foi de l'Évangile. Donc, luttant ensemble, et cette lutte sera victorieuse si nous sommes un en esprit et d'une même âme, sans aucune division parmi nous, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires externes, les adversaires internes. L'ennemi veut nous intimider. À l'extérieur, les situations, les circonstances, à l'intérieur, la peur, les indécisions, les doutes, le manque de l'auto-estime, les mensonges de l'ennemi qui disent que je ne sers à rien. Nous ne devons pas nous laisser intimider, car ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous, de salut. Ça, c'est le témoignage que notre Dieu est vivant et véritable. Lorsque les gens n'ont plus d'espérance, ils disent c'est fini, mais pour nous, c'est un salut. C'est simplement un commencement. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. C'est beaucoup de lutte, frère. Si nous voulons prêcher l'Évangile, il y a beaucoup de lutte. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Un combat, l'esprit de lutte. Nous devons être des imitateurs de Christ en soutenant le verset 30. J'admire les colporteurs dynamiques. Lorsqu'ils sortent avec un esprit de lutte, nous devons être tous contaminés par cet esprit de lutte. Verset 3, 1 Thessaloniciens 2, 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Et dans le témoignage aux Thessaloniciens de son cœur, ces versets que nous allons lire maintenant sont très importants, frères, spécialement durant ces temps de la fin. Si nous voulons réellement être conduits par Christ, si nous voulons réellement faire partie du fils de l'enfant mâle et des prémices, Dieu nous éprouve aujourd'hui. Il dit que notre exhortation, il dit, je vous exhorte, mais ce n'est pas avec une deuxième intention. Notre exhortation ne provient pas des tromperies. Les tromperies, c'est quoi? C'est que j'ai un objectif et je vais tromper des gens. Non, ça ne vient pas des tromperies ni de l'impureté, qui est la motivation. je vais être impur. Ma motivation n'est pas si pure pour manœuvrer certaines situations pour atteindre ce que je veux. Ce n'est pas de cela. Ni sur les fraudes, sur la fraude. C'est le moyen. La fraude, c'est quoi? C'est la malice. Ce sont des astuces. C'est un processus frauduleux. 2 Corinthiens 4, 1. C'est pourquoi, et à ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, vous voyez? Astuce, nous ne marchons pas selon la fraude avec l'intention de tromper les personnes. Verset 4. Mais selon que Dieu nous a été jugé dignes de nous, donc ça me touche beaucoup mon cœur. Nous avons été jugés dignes de nous confier l'Évangile. Dieu. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Je vais lire de nouveau. Dites avec moi. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Nous avons été approuvés. En grec, c'est dokimazo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire être testé, examiné. À cette époque-là, il fallait faire des tests, des examens pour éprouver le métal qui était l'argent. Dans l'argent, ce n'était pas la monnaie comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la monnaie ou le billet, c'était le papier. Il fallait donc tester pour voir s'il n'y avait pas de mélange avec d'autres métaux. Aujourd'hui, Dieu nous teste. Dieu est en train de tester notre cœur. Pourquoi vous pensez? Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous traversons cette pandémie, cet isolement social, bien aimés frères? Réveillons-nous. Dieu est en train de nous tester. Le temps de la fin est en train de se terminer. Dieu a le cachet en main, approuvé, réprouvé. Oh Seigneur Jésus, il est en train de nous tester pour voir qui sera approuvé et qui sera réprouvé. Il nous teste, il nous examine. Comme on examine les métaux pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'impur en nous. Je dois être purifié, Seigneur Jésus, purifie mon cœur. 2 Timothée 2,15. C'est intéressant, ce mot, même radical que dokimazo, mais ici c'est dokimos. 2 Timothée 2,15. Paul dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Soyez un ouvrier éprouvé. Soyez un soldat éprouvé et approuvé dans l'armée du Seigneur. Vous pensez que c'est de faire partie de l'armée du Seigneur? Il va nous tester. Est-ce que nous nous compromettons? Nous sommes engagés, focalisés. Quelle est votre motivation pour entrer dans l'armée? Documos. C'est quoi Documos? À l'époque, je vais vous l'expliquer. La monnaie était le métal, l'or, l'argent. Il y avait des formes. Ils versaient donc le métal liquide dans le moule selon un poids spécifique, dont chaque monnaie avait son poids défini. Et généralement, c'était des métaux comme l'or, qui est un métal malléable. Lorsque l'argent sortait, il fallait polir pour laisser les bords bien lisses. Cette monnaie était utilisée pour acheter les choses, ainsi de suite. Mais il y avait des personnes qui voulaient falsifier l'argent. Il ne s'agit pas d'imprimer des monnaies, des fausses monnaies, mais comme l'État était mou, il raclait cet argent, ce métal. Quand vous regardez à l'extérieur, c'est comme si c'était correct, mais il avait perdu un peu de poids. Et il raclait un peu par là, un peu par là, et après, ils avaient un tas de métal raclé avec lequel ils pouvaient faire une autre monnaie. À cause de cela, vous savez qu'à Athènes, à l'époque, cette époque-là, il fallait baisser 80 fois la loi qui interdisait de racler la monnaie. Alors, c'était quoi Dormos approuvé? Il y avait certains hommes d'affaires, des hommes qui avaient des cœurs purs, qui refusaient de traiter avec ce genre de monnaie. Ils travaillaient uniquement avec la monnaie authentique, sans que rien ne fût enlevé de cette monnaie, avec le poids correct. Et ces personnes-là étaient connues dans la population comme les docmos, c'est-à-dire les approuvés. Comment Dieu nous voit? Sommes-nous approuvé aujourd'hui? Bien-aimés frères, bien-aimés frères et sœurs, regardez ce que Paul a dit. Je vais lire de nouveau. Bien au contraire, vu que nous avons été éprouvés par Dieu, approuvés par Dieu produit quelque chose. Approuvé par Dieu au point de nous juger dignes de nous confier l'Évangile. Bien-aimés frères, je parle de cela avec beaucoup de tremblement et de crainte. Je me pose la question, est-ce que j'ai été approuvé par Dieu? Nous devons nous poser cette question. Comment vous et moi, nous savons que nous avons été approuvés par Dieu? C'est lorsqu'il vous a confié, oui ou non, l'Évangile. Et comment vous savez si Dieu vous a confié l'Évangile, oui ou non? Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, vous le savez, vous savez. Lorsque Dieu vous remet quelque chose, cette chose brûle en vous. Vous ne parvenez même plus à dormir. Aujourd'hui, Dieu veut vous remettre l'Évangile. Durant ce temps de la fin, c'est ce que Dieu désire le plus, vous remettre l'Évangile. Mais pour cela, nous devons premièrement être approuvés. Alors, je voudrais que vous, bien-aimés frères, je parle cela avec beaucoup de crainte et tremblement et beaucoup d'humilité. Y a-t-il quelque chose qui brûle dans votre cœur ce soir? Ou alors vous vivez sans souci, sans vous faire de soucis? Vous vous occupez uniquement de vos choses. Bien, mes frères, écoutez bien, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Je suis juste en train de transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je dis cela avec tremblement et crainte. Vous pouvez vous dire, Dieu m'a confié l'Évangile. Y a-t-il quelque chose qui vous embête dans votre cœur, qui brûle en vous jour et nuit? Comme Paul, lorsqu'il voyageait, il était prisonnier, battu de verges, couetté, et lorsqu'il prenait le bateau naufrageait. Même lorsque le navire naufrageait, il remerciait, il ne se faisait pas de soucis. Il y avait les requins, les créatures qu'il y avait dans la mer qui pouvaient le dévorer, mais il pensait qu'à l'église, ce feu brûlait en lui. Lorsqu'il a été fait prisonnier et interrogé par le roi Agripa, il a dit, « Oh, roi Agripa », il a parlé, et à la fin, il a dit, « Il en est fallu de peu que tu ne fasses de moi un chrétien, Paul. » Il a dit, « Je voulais que tu deviennes vraiment chrétien. » Paul a dit, « Oh, ré Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. » Y a-t-il un feu qui brûle en vous? Je voudrais demander au Seigneur, je veux que vous demandiez au Seigneur aussi. Oh Seigneur, approuve-moi Seigneur, approuve-moi Seigneur, et confie-moi l'Évangile. Approuve-moi et confie-moi l'Évangile. Je vais vous lire certains versets, 1 Timothée 1, 11. Paul donne le témoignage dans plusieurs lieux montrant qu'il était sûr que Dieu lui avait confié l'Évangile. Selon l'Évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, Évangile qui m'a été confié. Tite 1.3. et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Seigneur. 1 Corinthiens 9, 16-17. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Je dois prêcher l'Évangile, sinon le feu brûle et je ne supporte plus. J'ai cette nécessité. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Dieu a confié à Paul l'Évangile. Et la question que je vous pose à moi et à vous ce soir, est-ce que le Seigneur peut vous confier l'Évangile ce soir? Terminant le verset, que nous ne... Verset 4, terminant donc, pour ne pas plaire à des hommes, mais à plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, notre service, pas pour les hommes. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. C'est le témoignage que Paul avait devant les Thessaloniciens et ça a causé un impact. Ils ont vu la vie de quelqu'un qui était connecté à Dieu. Galates 1:10. Galates 1:10 dit ceci, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Bien-aimés frères, le plus souvent, lorsque nous servons Dieu, nous préoccupons à vouloir plaire aux hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Frères, si nous servons nos frères, nous sommes là pour plaire à Dieu. Notre objectif n'est pas de plaire aux hommes. Il est clair que nous devons servir avec sagesse, prudence et discernement pour ne pas offenser les personnes d'une manière légère, mais nous sommes là pour plaire à notre Dieu. Je vais lire certains versets sur ce sujet de ce que Dieu éprouve notre cœur. Je sens que c'est un moment, cette parole de Thessaloniciens, nous pouvons peut-être mépriser, disant c'est une épître pour les frères jeunes, ce n'est pas pour moi, mais je sens que nous devons retourner vers des choses simples et basiques de nouveau et voir s'il n'y a pas un problème, notre fondement qui nous empêche d'avancer. Allons lire le psaume 26. Verset 2. Et je veux que lorsque nous allons lire ces versets, que vous ayez une position d'humilité devant Dieu. Psaume 26, verset 2. « Sonde-moi, Éternel. » Vous pouvez répéter même avec moi. « Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. » Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Je veux être approuvé par toi, Seigneur. Examine-moi. Oh, Seigneur, teste-moi. Je veux être approuvé par toi, Seigneur, afin que tu me confies ton évangile. Allons lire aussi le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si en moi il y a un mauvais chemin. Expose-moi, Seigneur. Illumine-moi et guide-moi sur le chemin éternel. C'est l'humilité que nous devons avoir devant Dieu afin qu'il nous approuve, qu'il puisse nous cracheter, chacun cacheter, approuver, et qu'il nous confie l'Évangile et que le feu brûle en nous, que chaque église qu'il y ait une fournaise énorme qui brûle toutes les villes. Verset 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour obéir Dieu. en est témoin. J'ai aussi lu ce verset avec tremblement et crainte. C'est tellement actuel, ça décrit la situation actuelle d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, frère, de parler cela. C'est la situation du christianisme en général. Beaucoup de langage basse, de flatteuse, d'adulation, pour faire quoi? Pour plaire à l'homme. Allons lire Romains 16, 18. Il dit ceci, « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, et pas des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. » Les frères qui sont innocents, des frères simples sont trompés. Livre de Judas, versículo 16. De tels sont des murmureurs, malheureux, ils vivent selon leurs passions, leur bouche, il n'y a que des paroles trompeuses. Vous voyez, et pas pour des motifs d'intérêt. Donc, ils veulent juste profiter que le Seigneur puisse nettoyer notre cœur de ces choses. Ça s'est passé à l'époque des Thessaloniciens, mais aussi bien les mes frères. Ce sont les choses qui se passent maintenant à la fin des temps. Donc, ici, les intentions de tromperie, ça veut dire qu'il y avait astuces pour chercher à gagner des choses, principalement dans le domaine financier, cherchant à extorquer de l'argent des personnes. Romains 20, 33 à 35. Non, non, Romains, non. Je me suis trompé de verset ici. Très bien. Bien-aimés frères, Dieu est témoin. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est purifier notre cœur. Maintenant, je vais lire 2 Corinthiens 2, 17. 2 Corinthiens 2, 17. Ceci est en rapport à bien-aimés frères. Le prétexte, l'excuse de vouloir profiter des autres, 2 Corinthiens 2, 17, dit ceci, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc, falsifier la parole de Dieu, c'est comme un marchand ambulant qui crie dans la rue, vendant la parole de Dieu avec rabais, à un prix. 2 Corinthiens 4, 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, altérant, diluant la parole de Dieu. Bien-aimés frères, chose dont nous avons vraiment une grande crainte dans la parole de Dieu, dans la vie d'Église, c'est que nous n'allons jamais, nous ne voulons pas diluer la parole de Dieu et la présenter telle qu'elle à la Bible. Et nous avons la foi, bien-aimés frères, que chacun de vous qui m'écoutez, vous avez l'Esprit de Dieu, il va vous donner la capacité pour comprendre la révélation de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur, je l'ai dit hier, de prêcher la parole élevée de Dieu telle qu'elle dans la Bible. Nous ne devons pas rabaisser la parole de Dieu, mais nous devons prêcher la parole de Dieu d'une manière pure. 1 Timothée 6, 5. 1 Timothée, chapitre 6, verset 5, dit ceci, « Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Donc, ils utilisent la piété, cet art spirituel qu'ils ont pour gagner de l'argent comme une source de revenus. Cela existe beaucoup aujourd'hui. petite. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo. 11. Auquel il faut fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Pour terminer, 2 Pierre 2, 3. Par cupidité, ils trafiquent de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Bien-aimés frères, je sens bien-aimés frères, je vais dire ceci. Le plus souvent dans les réunions de leadership ou de mentorat des jeunes, de perfectionnement des jeunes, je dis que l'épreuve par laquelle Dieu va éprouver des personnes, que les gens vont tomber, c'est de comment nous gérons les finances dans l'Église. L'argent. Réellement, c'est la racine de tous les maux. Et Paul était en train de dire aux Thessaloniciens, il parlait cela aux Thessaloniciens, car au milieu d'eux, il y avait ce genre de situation. Dans la société, c'était comme cela. Et il y avait des personnes qui voulaient les influencer de cette manière. Et au verset 6, Paul dit, marchant et en cherchant à la gloire des hommes. C'est la grande tentation que le serviteur de Dieu a aujourd'hui, c'est rechercher la gloire de l'homme. Il peut commencer d'une manière humble, simple, mais en peu de temps, par le fait d'être reconnaissant et reconnu, il va rechercher la gloire des hommes. Frère, c'est une chose dont nous qui professons la parole, nous en avons une grande crainte, je le dis. De tout mon cœur, je n'ai jamais cherché à un moment prendre la gloire, voler la gloire de Dieu. Nous voulons être des frères simples que Dieu a suscités pour servir son Église. Nous ne voulons en aucune manière de chercher la gloire des hommes. Et plusieurs serviteurs de Dieu ont été dévorés et détruits à cause de ce sujet. Vous qui êtes en train de se lever, beaucoup de sœurs et frères qui se lèvent pour servir Dieu. Votre fonction, votre rôle grandit de plus en plus, alors faites très attention, spécialement avec les succès. Si nous tombons plusieurs fois, le danger est peu. Mais le danger, c'est qu'on peut abandonner, ne pas persévérer jusqu'à la fin. Mais lorsque nous avons beaucoup de succès, spécialement les jeunes, alors, le danger, c'est que nous risquons de chercher la gloire des hommes. Et ça, cela sera notre ruine. Lorsque le frère Dong était avec nous, il nous a avertis beaucoup par rapport à cela. Faites attention à l'orgueil, à l'arrogance. Le principe satanique que le frère Pedro Dong nous a partagé durant ce dimanche, ces derniers temps, c'est justement cela, c'est que l'ennemi voulait la gloire, il voulait prendre la gloire de Dieu, il voulait se faire égal à Dieu. Verset 7, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Wow, ce verset est très humain. Ce verset est si doux, bien-aimés frères. Ce que Paul est en train de dire ici est ceci. Je dois vous passer la traduction littérale afin que vous compreniez mieux. La manière dont ça a été traduit ici, ce n'est pas faux. Il y a eu une interprétation, mais Paul dit, vous voyez, aller comme apôtre, ça vient d'envoyer, le mot c'est apôtre, nous sommes les apôtres. Bien que nous si on est allé comme apôtre, nous avons le droit comme apôtre. Nous pourrions vous exiger de prendre soin de nous, exiger que vous offriez pour nous. C'est ça l'interprétation. Mais dans l'original grec, nous sommes apôtres, nous avons le droit, nous pouvons imposer l'autorité d'être un poids pour vous. Nous pourrions être un poids pour vous. Mais dans l'interprétation, c'est demander une sustentation, un poids, être un poids financier. Je vais vous lire cet verset, 1 Thessaloniciens, capítulo 2, versículo 9. Verset 9. É o versículo que vem logo em seguida. O versículo que vem juste après. Ele falou o seguinte: por que vos recordais, irmãos, nosso labor? Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nous avons travaillé de nos mains, nuit et jour, à l'œuvre. Nous avions un emploi pour n'être à charge à chacun de vous. Littéralement, ça veut dire pour ne pas être un poids à qui que ce soit. Nous vous avons prêché l'Évangile, nous avons travaillé dans nos emplois pour pouvoir vous prêcher l'Évangile. 1 Corinthiens 9. Nous avons beaucoup lu cela lorsque nous avons étudié 1 Corinthiens. À partir du verset 1, au verset 11, Paul parle de ses droits comme apôtre, les droits qu'il pouvait avoir, le droit de se marier, demander des offrandes. Et au verset 12, il dit, « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. » Paul a travaillé de ses propres mains pendant qu'il était à Corinthe. Il n'a rien exigé d'eux. Il n'a pas imposé sur eux sa dignité. Il a suivi l'exemple du Seigneur Jésus que dans Jean chapitre 13, le Seigneur s'est humilié, il ne s'est pas mis sur pied dans sa position pour revendiquer sa position de dignité, mais il s'est humilié. Il est allé laver les pieds des disciples. C'est avec cette humilité que nous devons servir. Mais après, il dit, nous aurions pu revendiquer ce droit à nous imposant à vous. Nous n'avons pas fait cela. Quelle était l'attitude? Nous sommes devenus... Ici, ce mot, c'est un mot très délicat qui parle d'une mère qui alimente ses enfants avec amour, un amour doux qui caresse, qui donne... Il le prend dans ses bras, c'est ça le mot. Donc, prendre dans ses bras. Prendre dans ses bras. Je ne sais pas si mon fils va aimer, si je donne ce témoignage. Il est père maintenant, père de jumeaux. Mon fils David avec Marianne, ma belle-fille. Son père, il est si doux maintenant, si... Il envoie des vidéos en portant l'enfant dans ses bras, parlant à ses enfants. C'est comme ça que nous devons être avec les frères. Loué soit le Seigneur. Amen. Verset 8. Et nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, ils ne sont pas seulement venus donner l'Évangile de Dieu, mais la vie, l'âme, ici, c'est la vie de l'âme. Psyché, ça dénote le sacrifice. Le fait de se détacher des choses, c'est pour cela. Ici, Paul ne met pas l'accent sur les choses miraculeuses. Voyez, nous sommes venus prêcher l'Évangile. Voyez comment les miracles, les démons expulsés, les guérisons, rien de cela. Paul donnait le témoignage de sa vie, de son vécu. Bien-aimés frères, c'est ça avoir une vie chrétienne normale, pour avoir une vie normale d'Église. C'est cela qui va faire en sorte que ce trépied puisse se développer, la foi, l'amour et l'espérance pour ramener le Seigneur. Verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, ou n'êtes à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile. Ça veut dire que ne pas être pesant. C'est le mot original. À aucun de vous. Ils travaillaient, ils avaient un emploi. Et nous, vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Paul donne le témoignage dans plusieurs endroits que par amour aux frères, pour ne pas être un poids aux frères, ils se sont sacrifiés, ils ont travaillé. 2 Thessaloniciens 3, Verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, donc jour et nuit. Il travaillait jour et nuit. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Quand est-ce qu'il se reposait? Nous avons travaillé afin de n'être à charge à chacun de vous. Il répète, nuit et jour, je ne sais combien de fois il répète cela. Acte 18, 3. E posto que eram do mesmo ofício, lá em Corinto, ele também trabalhou. À Corinthe, il a dit qu'il a travaillé. Il n'attendait pas que les frères viennent à ses besoins. S'il y avait, comme à Philippe, tant mieux. S'il n'y a pas, il travaillait. Donc ici, il a rencontré Aquila et Priscille qui avaient le même travail, qui faisaient des tentes, des baraques. Ils ont travaillé. Sa profession était de faire des tentes. On va lire 1 Corinthiens 4, 12. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Ça, c'est leur témoignage, témoignage de Paul. De ne pas être à charge à personne. Il ne voulait pas être à charge à qui que ce soit. On va lire encore deux versets. 2 Corinthiens 11, 9. C'est ça l'amour qu'il avait pour ses enfants. 2 Corinthiens 11, 9. Sim. 11:9. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Les frères de Philippe ont envoyé, ont pourvu à ses besoins, aux besoins de Paul. C'est la troisième fois, je suis sur le point d'aller vers vous et je ne serai pas à votre charge, car je ne vais pas après vos besoins. Je ne viens pas rechercher vos besoins, c'est ce que je veux. Donc, nous avons l'attitude des parents. Ça, c'est le témoignage que Paul avait parmi les Thessaloniciens. C'est cela qui a causé l'impact. Verset 10 maintenant. Vous êtes témoins. Et Paul parle beaucoup de témoins dans cet épître. Verset 5, il dit Dieu est mon témoin. Ici, il dit vous et Dieu sont des témoins. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Une fois de plus, il met l'accent sur la procédure, sur la conduite, sur son comportement, sur son vécu. Une conduite pieuse, une conduite sainte devant Dieu et juste, une conduite juste par rapport aux hommes et une conduite irréprochable. Il a dit pieuse, juste et irréprochable. Une conduite envers tous, envers Dieu, les hommes et même Satan, afin que Satan ne puisse pas l'accuser devant Dieu. Et vous savez aussi que nous avons été, il a répété de nouveau, c'est une répétition car Paul met l'accent ici sur sa procédure. Verset 5, chapitre 1, il disait déjà cela. C'est quoi notre procédure? De quelle manière? Quel genre de personnes nous sommes parmi vous? Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun, regardez dans la révélation, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Au verset 7, il parle de mère, qu'il est comme une mère qui caresse son fils. Ici, au verset 11, il dit qu'il est un père. Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce qu'une mère fait? La mère alimente, elle caresse, elle porte dans ses bras, elle caresse, elle donne l'amour. Et le père, c'est celui qui exhorte. Verset 12, en vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Dans l'Église, on a besoin de mères et de pères. Je voudrais vous convoquer, vous tous, frères et sœurs. Lorsqu'on parle de mère, ne s'agit pas seulement de sœurs. Plusieurs frères peuvent être comme des mères. Il y a des frères qui ont dit, ah, ce frère est comme une mère pour moi. Ce frère est comme une mère pour moi. C'est cela. Nos frères et sœurs, nous devons être des mères et des pères. Mères pour prendre soin, alimenter avec douceur, et pères pour exhorter, corriger. 1 Thessaloniciens 4:1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Donc ici, nous exhortons et nous supplions. Chapitre 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Nous vous avertissons, nous avons besoin de pères dans l'Église qui puissent enseigner, corriger, exhorter. Loué soit le Seigneur. Nous exhortons, nous consolons et nous supplions afin que vous viviez. Ici, le mot grec, c'est peripateo. Peripateo, ça veut dire marcher. Afin que vous marchiez. Ici, cette vie, c'est une marche. C'est marcher, une marche quotidienne. Une marche quotidienne, une marche personnelle de manière digne de Dieu. Voyez donc la phrase finale, qui est le thème de cette conférence, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. La convocation de Paul, c'est que vous et moi, que nous marchions de manière digne de Dieu. Qui est ce Dieu? Ce Dieu est le Dieu qui nous appelle. Donc ici, dans la conclusion, je vais conclure le message maintenant. Je voudrais terminer le message de la manière suivante. Nous avons une marche. Et bien-aimés frères, nous ne sommes pas ici pour plaire à qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour dire que tout est bien, tout est facile. Je voudrais déjà vous dire, cette marche est un défi. Cette marche est une marche, c'est la marche de Matthieu, chapitre 7, 13 et 14. Ce n'est pas une marche facile. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Une multitude qui entre par la porte large et le chemin spacieux. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est le chemin sur lequel nous devons cheminer. C'est la marche d'une manière digne de Dieu. Et Paul a défini dans ce chapitre quelle est la marche digne. C'est quoi marcher d'une manière digne de Dieu? C'est le témoignage qu'il a donné, sa procédure, sa conduite. C'est ce que nous avons dit dans le Psaume 23, verset 3, « Tu me conduis dans les sentiers de la justice. » C'est une marche juste selon la volonté de Dieu. Ce Dieu est le Dieu qui nous appelle. Nous avons vu hier l'élection de Dieu. Dieu nous a élus, il vous a élus, Dieu m'a élu. Et hier, nous avons dit, nous avons encouragé chacun à savoir, vous devez savoir que vous avez été choisi. La preuve de ce que vous avez été choisi, c'est que vous êtes ici écoutant cette parole. Et l'appel vient après l'élection. Il élu et il élit, il appelle dans le temps. 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Waouh, répétons. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il a appelé, il va faire. Alléluia! Il vous a appelé et il va vous amener jusqu'à la fin. Il revient à nous de persévérer. Amen. 2 Thessaloniciens 2, 14. para o que também vos chamou. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Donc, la parole de cette nuit, c'est l'évangile. Hier, c'était l'évangile. Demain matin, le frère Pedro va vous prêcher l'évangile. Et la nuit aussi, le frère Pedro Dong va vous prêcher l'évangile aussi. Et samedi, mardi soir, le frère Pedro Dong va vous prêcher l'évangile. Mercredi, mercredi et jeudi, le frère Miguel Mar va vous prêcher l'évangile. Et cet évangile, c'est quoi? Nous sommes appelés à travers l'évangile. Chaque prédication de l'évangile, c'est un appel. Vous avez senti l'appel ce soir pour parvenir à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, l'appel, c'est pour la gloire. Dieu vous appelle pour son royaume et sa gloire. 1 Pierre 5:10. Ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Para onde? Dieu vous a appelé où? À sa gloire éternelle. Et cet appel à la gloire n'est pas si facile, ça ne vient pas si facilement, ça vient à travers les souffrances. Après avoir souffert, juste un tout petit peu, lui-même va vous perfectionner, affermir. Il y a certains qui vont dire que je souffre déjà depuis longtemps. Pareil au royaume, c'est rien, c'est peu de temps. Soyez fermes, nous allons prier pour vous, nous allons prier les uns pour les autres. Appelez à son royaume, le royaume dans Matthieu 3:2. Le Seigneur dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur a proclamé cela lors de sa première venue. Donc, à la porte de sa deuxième venue, j'écoute cet appel. Je ne sais pas si vous écoutez cet appel. Jésus dit de nouveau, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Se repentir ne consiste pas seulement à prier, mais c'est d'avoir un changement dans notre pensée, changer notre attitude, notre posture, changer notre manière de penser. Maintenant, je suis un soldat de l'armée du Seigneur. Acte 14, 22. Acte 14, 22. Lorsqu'on demande qui veut entrer dans le royaume, tout le monde dit moi. Alors, qui veut souffrir? Je ne dis pas que nous devons prier pour souffrir. Ah, Seigneur, Esdras a prié, envoie-moi plus de souffrances. Non, ne priez pas de cette manière. Les souffrances qui viennent spontanément sont parfois difficiles à supporter. C'est pour cela que nous avons besoin de persévérance. Le verset 22 de Acte 14 dit ceci, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. » Dans cette structure, le premier pied du trépied, c'est la fermeté dans la foi. Et montrant qu'à travers, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La traduction en portugais actuelle, c'est nécessaire. C'est nécessaire que nous passons par des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne demandez pas des tribulations à Dieu, mais ne fuyez pas non plus des tribulations. Demandez tout simplement au Seigneur de pouvoir gagner plus de lui dans les tribulations. Je ne veux pas traverser les tribulations d'une manière vaine. Je veux apprendre quelque chose. Je veux sortir de l'autre côté mature et passer des niveaux, dans ces niveaux de tribulation. 2 Pierre 1:1. 1:11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ serait pleinement accordée. J'aime ce mot, pleinement. Si la moyenne pour passer d'une classe à une autre, c'est 5 et que j'ai 5, vous n'avez pas passé d'une manière avec une large marge, vous avez passé d'une manière étroite. Mais si la moyenne c'est 5 et qu'à la fin vous avez une moyenne de 9,5, alors vous avez passé d'une manière pleine avec une grande marge. Je ne veux pas entrer, frère, d'une manière serrée. Je veux entrer dans le royaume avec une marge grande. Seigneur nous promet, c'est de cette manière que vous serez pleinement accordés dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Je veux entrer d'une manière pleine. Loué soit le Seigneur. Gloire pour son royaume. Romains 8. Qui veut entrer dans la gloire? Moi, moi, moi. Mais ce n'est pas si facile, frère. Or, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Dieu ne veut pas seulement des fils, il veut aussi des héritiers. Il ne veut pas des enfants technon, il veut des enfants ouios, matures. Il ne veut pas seulement des ouios, mais il veut aussi des héritiers. Et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés. Les souffrances actuelles, frères, c'est pour que vous soyez glorifiés, pour que nous soyons insérés en Dieu. Gagner plus du Seigneur. Je veux gagner du Seigneur dans la souffrance d'aujourd'hui. Les souffrances que nous avons aujourd'hui, c'est pour l'Église, pour son corps. Car j'estime que les souffrances du temps présent sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup qui souffrent et nous sentons qu'il est difficile de supporter. Alors, je voudrais vous donner une astuce. Utilisez votre espérance et regardez devant, regardez vers la gloire. La gloire que nous allons contempler. Et immédiatement, nous allons nous rendre compte que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui seront révélées en nous. 2 Corinthiens 4. Verset 17. Car notre légère affliction du moment présent produise pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et pour terminer, bien-aimés frères, cette marche de manière digne de Dieu qui nous appelle pour son royaume et gloire, nous devons, cette marche, persévérer jusqu'à la fin. Et donc, la persévérance, la foi, l'amour et la persévérance. Ce qui nous amène à persévérer, c'est l'espérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Loué soit le Seigneur. Bien-aimés frères, je termine ici ce deuxième message. Il y a beaucoup de choses à venir, comme je l'ai expliqué. Nous ne sommes pas ici pour donner une étude séquentielle de la parole. Nous n'allons pas aborder chaque élément de cette épître, mais nous allons présenter les principaux diamants, les principaux gemmes de cette œuvre. Continuez à prier. Demain matin, à 9h, nous aurons la louange et à 10h, la parole professée par le frère Pedro. Et le soir, ça sera la même chose et toutes les nuits. On va terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions cette nuit, car tu nous as montré, Seigneur, comment nous devons nous conduire dans cette vie quotidienne normale, cette vie chrétienne sainte que tu veux que nous ayons, et comment nous devons nous conduire dans la vie d'Église. Oh, Seigneur Jésus, que nous puissions être des imitateurs de l'apôtre Paul, comme il a été de toi aussi. Ce soir, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Nous voulons te dire que nous voulons nous engager avec ta volonté par rapport à l'Évangile, car c'est ce qui est dans ton cœur. Nous sommes en train d'être préparés pour affronter plusieurs batailles, mais nous voulons être ensemble pour persévérer jusqu'à la fin. Nous voulons être un, en un seul esprit et une seule âme. Seigneur, nous demandons afin que tu puisses nous approuver, éprouve notre cœur, examine notre cœur. Enlève de nous chaque chose qui ne te plaît pas afin que nous soyons cachetés par le mot approuvé en toi. Seigneur, nous voulons que tu nous approuves au point de nous confier l'Évangile. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Purifie notre cœur. Ne nous laisse pas être aveuglés, Seigneur Jésus, par les gains, par les tromperies, par les convoitises, par la gloire, Seigneur, par les positions des hommes, pour plaire aux hommes, Seigneur. Rien de cela. Mais donne-nous un cœur pur. Enseigne-nous aussi, Seigneur Jésus, à prendre soin des frères comme mères qui font des caresses sur les enfants, comme les pères qui exhortent et corrigent les enfants. Merci beaucoup, Seigneur. Seigneur, amène-nous à avoir cette vie sainte, cette vie pieuse, juste et irrépréhensible devant toi. Merci beaucoup, Seigneur. Seigneur, aussi, nous voulons marcher d'une manière digne de toi. Merci, Seigneur, car cette nuit, nous avons écouté ton appel. Tu nous appelles pour ton royaume et ta gloire. Nous voulons répondre présent à cet appel. Nous savons que la marche est difficile, la porte est étroite, le chemin est resserré, mais nous voulons te dire Amen, Seigneur. Nous sommes disposés, nous voulons persévérer jusqu'à la fin sur ce chemin pour recevoir une entrée pleine dans ton royaume de gloire. Bénis tous les frères, bénis cette conférence et subviens aux besoins de chacun, bénis toutes les familles, prends soin de la santé de chacun. Seigneur Jésus, nous continuons à bénir et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, maintenant c'est le partage de la région 2 et 3. Profitez-en bien et il y a aussi le partage dans les salles. Amen. Et à la prochaine opportunité.